Alors, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation, Madame Darroy, à cette troisième assemblée citoyenne dans notre magnifique ville de Laval. Madame Darroy, bienvenue chez nous. Merci, Madame Tousignan. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu le déroulement de la soirée. Alors, mon nom est Linda Tousignan, je vais être votre modérateur pour cette soirée. Il y a deux micros. Donc, deux personnes qui vont se promener avec un micro d'un côté et de l'autre de la salle. Je vous les présente. Alors, il y a Mme France Desroches. Donc, c'est qui, quand vous aurez des questions du côté de Mme Desroches, Mme Desroches vous présentera un micro. Et de l'autre côté, il y a Pierre-Olivier Cloutier, jeune homme dans le coin, qui lui sera au deuxième micro également. Je vous demanderai dans vos questions, étant donné qu'il y a quand même plusieurs personnes, j'imagine plusieurs questions, si on veut avoir le temps d'en couvrir le plus possible, d'être le plus concis possible dans nos questions. Madame Darroy est ici pour répondre à ces questions. C'est l'une de ses préoccupations, c'est d'être à votre écoute. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Darroy. Alors, merci beaucoup, Madame Tousignan. Ben, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Ça me fait énormément plaisir de vous voir. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à cet échange que nous aurons ensemble. Il y a quelques amis journalistes qui sont là. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas méchants. Ils sont un peu jaloux parce qu'ils ne pourront pas poser de questions ce soir. C'est vous qui allez pouvoir en poser. Je veux saluer, j'ai vu Scott McKay qui est là, député de l'Assomption qui est avec nous. Allô Scott, merci d'être là. Bon, j'ai souhaité qu'on ait des rencontres citoyennes. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, parce que je reconnais quelques visages quand même, sont des militants du parti, sont des membres, que d'autres sont des sympathisants, et que d'autres, sans doute, sont des citoyens intéressés à la chose politique et qui ont le goût de venir échanger avec moi. Mon objectif est les taux ce soir. Je vais prendre d'abord un premier temps, ça ne durera pas très longtemps. Ça nous fait plaisir d'avoir des enfants en plus, hein, parce qu'on travaille pas mal fort pour en avoir au Québec. On est très contents d'en avoir. Merci d'être là. Quelles sont de vos préoccupations dont on ne tient pas suffisamment compte, par exemple? Ou toute autre question que vous voulez aborder? Je suis là pour vous, à votre service, pour qu'on ait cet échange et ce dialogue. Vous avez vu que notre formation politique et que, comme chef du Parti québécois, depuis quelque temps, en fait, pour ne pas dire depuis que nous formons l'opposition officielle, nous avons posé beaucoup de questions au gouvernement. Nous avons été très critiques. Et je crois que c'était notre rôle aussi, et que ça continue d'être notre rôle, de demander des comptes au gouvernement. Et c'est ce qu'on a fait, puis je pense qu'on a fait ça assez bien, avec une équipe assez remarquable. C'est sûr qu'on a vécu une petite période de turbulence depuis quelques semaines, mais on va mettre ça derrière nous. On va continuer et reprendre ce rôle que nous avons de demander à M. Charest, à son gouvernement, des questions. Pourquoi il ne fait pas d'enquête publique? Pourquoi il ne s'occupe pas bien de nos ressources naturelles? Pourquoi il ne rend pas disponible des places dans les services de garde pour les enfants? C'est notre responsabilité. Vous aurez remarqué que depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis presque un an, le Parti québécois à travailler à réfléchir à ce qu'on voulait offrir, nous comme programme, nous comme politique, pour remplacer, oui, M. Charest, mais pas pour faire la même chose que lui et que son gouvernement. Et donc, depuis un an, on s'est plutôt penché sur le programme du Parti québécois. Et en avril dernier, on a adopté un nouveau programme. Un programme qui est solide, qui est bien fait, qui dit « agir en toute liberté ». Alors, ce soir, ce dont je veux vous parler, c'est de certains éléments de ce programme-là. Et à l'Assemblée nationale, et de plus en plus quand on va faire des sorties publiques, comme formation politique, vous allez voir qu'on ne sera pas seulement en mode critique. À savoir, critiquer le gouvernement, c'est une chose, lui demander des comptes, ça va de soi, mais nous allons proposer quelles sont les solutions que nous offrons pour faire en sorte que, par exemple, on retrouve plus d'intégrité dans nos institutions publiques, qu'on s'occupe mieux des familles, qu'on s'occupe mieux des personnes âgées. Alors donc, d'une phase critique, on a adopté un programme et maintenant, nous serons en mode solution. Et vous allez le voir apparaître de plus en plus.
Alors, ce sur quoi je veux m'arrêter maintenant pendant quelques minutes, et je vous le dis, je veux vraiment vous donner de l'espace, je voudrais vous parler un petit peu de ma vision pour l'avenir du Québec. D'abord, moi, j'ai un rêve qui est partagé probablement par beaucoup d'entre vous, par beaucoup de nos concitoyens et nos concitoyennes. Je rêve à un Québec libre et à un Québec indépendant. Bravo. À un Québec souverain. Ce soit un pays riche, ce soit un pays prospère, parce que je crois qu'on est capable de ça. Et quand on est prospère et qu'on est riche, on peut être généreux. Alors, je rêve à un pays qui va être généreux. Nous avons réussi des choses extraordinaires au Parti québécois. La plupart des grandes politiques sociales que l'on connaît aujourd'hui sont le résultat de décisions prises par notre gouvernement lorsque nous étions au pouvoir. Pensez à une des dernières politiques que nous avons adoptées, une d'avant-dernière, la politique sur les médicaments. C'est assez exceptionnel hein, de faire en sorte que chacune des personnes qui a besoin de médicaments, soit-elle très coûteux, puisse y avoir accès et qu'elle ne survienne pas à cause de ça. Mais la dernière politique, à mon point de vue, qui était la plus audacieuse pour les familles, c'était notre politique à l'égard de la petite enfance, qui permettait l'accès à des services de garde à des prix réduits pour les parents. Les congés parentaux, ça a eu un impact sur notre augmentation de notre taux de fécondité, mais ça a eu un autre impact aussi, ça a fait reculer la pauvreté chez les familles. Parce que vous savez qu'au Québec, à cet égard, on est l'un des endroits en Amérique où la pauvreté est la moins grande chez les familles, et ce sont ces politiques sociales que nous avons adoptées et où les écarts entre les riches et les pauvres sont les moins grands, parce que nous avons permis à des familles à des femmes, entre autres chefs de famille monoparentales, qui n'avaient pas les moyens de se payer des services de garde, de pouvoir aller en emploi, avoir un revenu décent, même si ce n'était pas un revenu très élevé, d'avoir des services de qualité pour leurs enfants, de sortir de la pauvreté, de retrouver la dignité et l'autonomie. Ça, c'est une des grandes politiques qu'on a adoptées. Il nous en manque une actuellement. Je vous dirais, bien sûr, on peut tout améliorer celles qui sont là. Mais une qui nous permettrait de compléter l'ensemble de nos grandes politiques sociales, et c'est celle qui concerne le vieillissement et les personnes âgées. Nous devons être capables d'offrir des services d'aide, de soins à domicile, permettre aux gens de rester chez eux tant qu'ils le souhaitent, être capables d'avoir une assurance autonomie, être capables de permettre à des gens qui veulent demeurer dans leur univers habituel, dans leur milieu de vie, qu'ils puissent le faire. Et moi, je crois que c'est cette dernière politique qu'il faut adopter, sur laquelle il faut se pencher. Donc, ce Québec généreux, nous sommes capables aussi d'y arriver en ce qui concerne les personnes âgées, comme on l'a fait pour, évidemment, les enfants et les familles. Je rêve à un pays qui va être vert. Nous avons la meilleure ressource renouvelable pour créer de l'énergie que ça, qui est notre énergie hydroélectrique, mais nous avons du vent, nous avons du soleil, nous avons de la géothermie, nous avons de la biomasse. Je rêve d'un pays vert, un pays qui va miser sur le développement durable, qui va miser sur l'environnement. Je souhaite ce pays vert et bleu dont nous sommes capables. Et en particulier, je souhaite que nous procédions d'une façon très différente de celle que t'as choisi Jean Charest quant à la gestion de nos ressources naturelles. Actuellement, on est en train de vendre à rabais nos ressources. Oui, au développement du Nord, ça va de soi. Mais cependant, l'exploitation de nos ressources naturelles et la création de la richesse qui en découlera, parce que ce sont des ressources naturelles non renouvelables, doit revenir largement dans la poche des Québécois et des Québécoises. Nous n'accepterons pas qu'on vende nos ressources à rabais. Je rêve d'un pays efficace, où on va faire en sorte que l'administration va être au service des citoyens, le moins de structures possible, le plus de services directs aux citoyens et aux citoyennes. Un pays riche, un pays prospère, un pays généreux, un pays vert, un pays efficace.
Est-ce que ça vous étonnera que je rêve aussi d'un pays francophone en Amérique? C'est fondamental. Je veux que nous vivions dans un pays francophone, fier de sa langue, de sa culture et de son histoire. Ce qui veut dire que dans les premiers gestes que nous allons poser, c'est une revision et une réécriture de fond en comble de la loi 101. Nous adopterons une nouvelle loi 101 qui s'appliquera à l'ensemble des entreprises québécoises, fédérales ou pas. C'est pour nous une question de survie. Le Québec actuellement connaît des reculs pour le français et en particulier sur la région montréalaise. Vous le savez tout aussi bien que moi. Et je rêve d'un pays formé, où les gens vont être formés, où l'éducation va être au cœur de nos priorités. Donc, nous allons parler d'identité, de culture, de langue, d'histoire, parce que si nous voulons nous faire un pays, il faut un peu savoir d'où on vient. Donc, nous allons nous préoccuper de réintroduire l'enseignement de l'histoire correctement dans l'ensemble de nos institutions primaires, secondaires et collégiales. Et enfin, et c'est pas la moindre des choses, je rêve d'un pays intègre. Et je vais commencer par ça. Je suis, et vous êtes, pour ceux et celles qui militent au Parti québécois, nous sommes les héritiers de René Lévesque. S'il y a quelque chose qui nous a inspirés dans l'action de René Lévesque, au-delà du fait qu'il était un grand démocrate et qu'il croyait à un pays souverain, c'était un homme qui croyait aussi à l'intégrité des institutions. Et s'il a une chose qu'il a fait en arrivant au pouvoir, souvenez-vous de ça, c'était de faire un grand ménage dans le financement des partis politiques pour s'assurer que jamais plus on ne pourrait acheter un député, un ministre en faisant des pressions sur lui parce qu'on lui offrait du financement pour ensuite avoir des contrats. Alors l'un des premiers gestes que nous allons poser comme gouvernement, c'est de procéder à la mise en place d'une commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction et ses liens avec le financement des partis politiques. C'est fondamental. Et nous redeviendrons exemplaires en matière d'intégrité. Ça exigera de changer des lois, ça exigera d'être de plus en plus transparent. Ça exigera probablement de changer encore les règles sur le financement des partis politiques, mais je peux vous dire que nous allons le faire, et à cet égard, on ne pourra jamais rien nous reprocher. Je veux que l'on reprenne l'initiative sur la question de l'avenir politique du Québec. Il faut remettre la souveraineté au cœur de l'action du gouvernement. Nous l'avons toujours fait. Quelqu'un me faisait remarquer ça tout à l'heure. On a toujours gouverné le Québec comme des souverainistes. On va continuer à le faire. On va le faire mieux. On va le faire plus. Puis on va le faire davantage. L'objectif, c'est de nous donner un pays. D'ici à ce que nous tenions un référendum qui va porter sur la souveraineté, et nous déciderons quand ce sera pertinent de tenir, nous allons poser les gestes qui vont nous en rapprocher de la souveraineté. Et c'est pour ça que, par exemple, on va refaire une loi 101, réécrire une loi 101. Ça va être fini, les écoles passerelles, puis on utilisera la clause nonobstant. S'il le faut, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord? Nous allons adopter une loi sur la citoyenneté québécoise. On peut faire ça. Nous allons définir les règles du jeu qui vont être très claires lorsque nous accueillons de nouveaux Québécois. Voici les exigences. Pour vous, mais voici les exigences aussi pour l'État du Québec. Une loi sur la citoyenneté. Une constitution québécoise. Qu'est-ce que ça comporte, une constitution québécoise? Qu'est-ce que ça comporterait dans un État indépendant de plus que ce qu'on y retrouverait dans une constitution d'un État qui ne l'est pas? Nous allons demander des rapatriements en matière de culture, en matière d'emploi. Nous voulons créer une banque de développement du Québec. On va demander le rapatriement de toutes les mesures qui concernent l'aide à l'économie et à l'emploi. Nous allons être à cet égard très exigeants. Dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti québécois, il y a certains gestes que nous allons poser, l'enquête publique, la mise en marche de la loi sur la langue française,
du travail, évidemment, sur la question des ressources naturelles, ce sera primordial, mettre en marche donc les grandes mesures auxquelles nous croyons et remettre le projet de pays au cœur de notre action. C'est ce à quoi j'ai le goût de travailler, avec une équipe extraordinaire qui est celle des députés du Parti québécois. Il y a des jeunes, il y a des gens dynamiques, il y a des gens d'expérience qui viennent de tous les univers, de tous les horizons, et nous sommes capables d'être une alternative au mauvais gouvernement qui est celui qui est devant nous aujourd'hui, et nous avons des solutions concrètes à proposer à la population québécoise.